Tout le monde, nouvelle série Gloria Dei. Je vous salue à Laval et je salue Terbonne, notre église de Terbonne qui se joint à nous. Deuxième message de 8 sur la gloire de Dieu. Quels sont ceux qui veulent vivre la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est le concept le plus important de la Bible, de l'univers. La gloire de Dieu, on l'a vu la semaine dernière, c'est le mot qui résume tout. Qui résume tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu veut communiquer dans ta vie. Et C'est un peu comme si je te parle d'un fluide gazeux constituant l'atmosphère terrestre composé de nitrogène, d'oxygène, d'argon et de dioxyde de carbone. Qu'est-ce que c'est ça, en bon québécois? De l'air. Donc, l'air est un mot qui représente tout ça, et de la même manière, gloire est un mot qui représente tout ce que Dieu est. Tu sais, les théologiens ont, euh, se sont arrêtés, ont réfléchi sur ce que la Bible nous enseigne sur Dieu, et il y a à peu près une trentaine d'attributs qu'on a trouvés sur Dieu. Donc, par exemple, Dieu est tout-suffisant. Euh, Dieu ne change pas. Dieu est éternel. Il n'y a pas de commencement ni de fin. Euh, Dieu est un. Tu ne peux pas séparer Dieu. Tu ne peux pas prendre une portion que tu aimes de Dieu. Tu ne peux pas prendre la grâce de Dieu et rejeter la colère de Dieu. Euh, les théologiens parlent des attributs qui sont personnels. Dieu est esprit. Donc, on parle Dieu, mais sa main, mais évidemment, c'est un, une manière de parler. Dieu est esprit. Dieu est invisible. Euh, on parle de ses attributs mentaux. Dieu a la connaissance parfaite. Dieu est parfaitement sage, Dieu est vérité, Dieu est fidèle. Donc, ce n'est pas quelque chose que Dieu est quelquefois, Dieu est fidèle. Est-ce que je m'entends Amen à ça? On parle également de ses attributs moraux. Dieu est bon, Dieu est amour, il est miséricordieux, il est gracieux, Dieu est patient. Amen. Dieu est saint, Dieu est paisible, Dieu est juste, Dieu est jaloux. Et on parle également de la colère de Dieu. Et là, il y a des gens qui disent Oh, oh, oh ça allait bien, mais là, ça, ça commence à déraper ton message, pasteur Guétan, C'est vraiment important, la colère de Dieu, puis c'est vraiment important de savoir que Dieu est jaloux. Pourquoi? Parce que ces attributs-là nous enseignent que Dieu n'est pas indifférent. Moi, je ne veux pas juste un beau petit Dieu qui est là dans les cieux. Je veux un Dieu, et ce n'est pas le Dieu que je me suis créé, mais c'est pour ça que je suis croyant, je suis un chrétien, parce que Dieu n'est pas indifférent. Et la colère, la jalousie de Dieu, c'est la passion. Vous savez? Je vous aime tous, mais je ne vous demande pas une relation exclusive. Ma femme, par contre, je demande une relation exclusive. Et Dieu veut une relation exclusive avec toi. Lorsqu'on parle de la jalousie de Dieu, c'est l'attribut qui parle que Dieu veut une relation exclusive. Dieu t'aime tellement, il te veut seulement pour lui. Et sa colère, c'est que Dieu a la capacité de garder ce qui lui appartient. On parle de ses attributs d'action. Dieu a une volonté. Dieu est libre. En ça, on l'oublie quelquefois, mais Dieu peut faire ce qu'il veut. Et comme on dit en hébreu, ça ne te regarde pas. Dieu est tout-puissant. Et on a également des attributs, je termine là-dessus, qui euh, résument tout ce que Dieu est. Donc, on va parler de la perfection de Dieu, des plaisirs de Dieu. John Piper a écrit un super livre, les plaisirs de Dieu, la beauté de Dieu. Et il y a un mot qui résume tout ça, c'est la gloire. Donc, quand tu as la gloire de Dieu, tu as tout ce que je viens de dire. Est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça? Maintenant, nous allons voir ce matin comment Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. La semaine passée, c'était l'introduction. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi dans le livre du prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Le livre du prophète Ésaïe. Un prophète dans l'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance avant la venue de Jésus, qui préparait, hein, l'Ancien Testament parle de Jésus, qui préparait la venue du Messie, qui était pour mourir et ressusciter pour nous, pour nous réconcilier avec Dieu. Un prophète, c'est un porte-parole. Un prophète, c'est un prédicateur de la parole de Dieu. Le prophète, c'est pas celui qui va seulement annoncer l'avenir, il y a une dimension prophétique d'avenir dans le sens qu'on le comprend aujourd'hui, mais un prophète, c'est un porte-parole. C'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Et Isaïe, on est à peu près 750 ans avant Jésus et Isaïe va dans le temple de l'ancienne alliance, donc qui était, si on peut dire la préparation de l'église. C'est comme s'il va à l'église et il a une vision. Un superbe texte ce matin, je suis très excité. Donc Versets 1 à 8, Ésaïe 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins, on dit généralement séraphins, en hébreu c'est séraphim. Donc, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les jambes, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, c'est Isaïe qui parle, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Mais l'un des séraphimes vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. J'entendis le Seigneur qui disait, Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et je répondis, Je suis là, envoie-moi. Hey, un superbe texte, je sais que je l'ai mentionné, mais moi je suis excité par la Bible. La Bible m'excite et il y a six choses qu'on apprend sur la gloire de Dieu, sur la manifestation de la gloire de Dieu. Et premièrement, je veux juste déclarer comme premier principe ce matin. Dieu veut manifester sa gloire. Le Dieu que j'ai mentionné tout à l'heure, les 30 attributs, les 30 choses que Dieu est, puis encore beaucoup plus, Dieu veut le manifester. C'est-à-dire, Dieu veut faire en sorte que tu expérimentes. Dieu veut que tu aies une communion avec lui. Et Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Mais le problème, c'est que tu es un obstacle à la gloire de Dieu dans ta vie. Tu sais, le problème, c'est que tu es le besoin et tu es le problème. Et le, on le voit très bien, ça dit l'année de la mort du roi Ozias. Maintenant, permets-moi de t'expliquer un peu c'est qui le roi Ozias. Souvent, on passe très vite et c'est important de comprendre le contexte. Ozias est roi. Isaïe, sa job, c'est d'être conseiller du roi. Ozias est un super bon roi, mais à un moment donné, le problème avec Ozias, c'est qu'il était un bon roi et il le savait. Alors, il y a des gens, leur problème, c'est que tu es bon et tu sais. Tu sais trop. Et Ozias, alors que Dieu l'a béni, que Dieu était avec lui, Osias va commencer à s'énergueillir, va commencer à sombrer dans l'orgueil. Il va penser que son règne et que sa prospérité, c'est grâce à ses talents qu'il a été capable d'avoir toutes ces choses. Et la Bible nous dit, à un moment donné, il va faire le fanfaron, il va aller dans le temple pour faire le travail, la job des prêtres et offrir de l'encens, en sacrifice à Dieu. Ce n'est pas sa job. Donc, il va vouloir voler la job des prêtres en disant, « Mais moi, je suis quelqu'un, le Seigneur marche avec moi, je suis chummy avec le Seigneur, tassez-vous de là. » Et là, les prêtres vont paniquer, vont rentrer dans le temple en disant, « Osias, ne fais pas ça. » Et littéralement, ils vont dire, « Cela ne tournera pas à ta gloire. Et Ozias va offrir un sacrifice quand même parce qu'il dit ⁇ Moi, je suis au-dessus des règles, moi, je suis au-dessus des standards, moi, je suis au-dessus de la parole de Dieu, ça ne s'applique pas à moi ⁇ Et la Bible dit que Dieu va le frapper puis il va devenir lépreux et que pour le restant de sa vie, il va être dans une maison exclue, il ne pourra jamais remettre les pieds dans la maison du Seigneur. Et quand Esaïe dit l'année de la mort du roi Osias toutes les gens de l'époque ont compris que Osias a bien commencé mais il est devenu un obstacle à la gloire de Dieu, je te fais un appel à toi plusieurs personnes, tu as bien commencé mais ne deviens pas un obstacle à la gloire de Dieu vous savez, le prophète Esaïe va dire vous vous êtes rebellés contre la gloire de Dieu et Dieu va dire la chose suivante écoute-moi bien, il y a deux vérités l'être humain par nature, on se révolte contre la gloire de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que tu vas être le numéro un dans ta vie ça veut dire que tu veux vivre pour ta, propre, pour ta propre gloire. Ça veut dire que tu veux plus te servir de Dieu que servir Dieu par nature. On se rebelle contre la gloire de Dieu. Et Dieu va dire également dans le prophète Isaïe une autre grande vérité, la gloire m'appartient et je la donne à aucun autre. Écoute-moi bien. La gloire de Dieu, c'est la chose la plus importante. Si tu ne donnes pas gloire à Dieu, et ultimement un chrétien, ta vie, c'est vivre à la gloire de Dieu. C'est un peu comme si tu te mets devant un train et tu penses que tu vas arrêter le train. Je veux juste déclarer que la gloire de Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Lis ta Bible à la fin, Dieu va se glorifier, toute la création va donner gloire à Dieu. Maintenant, il y a deux types d'êtres humains. Il y a ceux qui se mettent devant le train pensant qu'ils vont vivre leur vie à leur façon. Mets-toi devant le train de Dieu, puis la gloire de Dieu va t'écraser. Moi, j'aime mieux être dedans que devant le train. Et la foi, la vie par la foi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit Je suis un homme, je suis une femme, je suis pécheur, je, ma vie sans Dieu n'a pas de sens, Dieu me crée pour lui et j'arrête de vouloir marcher sur la traque de ma vie. Je ne veux pas être devant le train parce que tôt ou tard, tu vas faire un face-à-face -face avec Dieu. J'aime mieux être dans le train que devant le train. J'aime mieux donner gloire à Dieu que de m'opposer à la gloire de Dieu et ça va mal finir pour moi. Et ça, c'est l'histoire du salut. Et audience est un obstacle à la gloire de Dieu. Et il y a deux principes dans le premier verset qu'Esaïe va enseigner, puis je le fais rapidement, j'en ai parlé la semaine dernière. Il y a premièrement la transcendance, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire, mais tu dois comprendre que la gloire de Dieu est inaccessible à l'homme. C'est pourquoi il emploie l'image il va dire Je vois un trône très élevé. Dieu est comme trop haut, Dieu est inatteignable. Paul va dire à Timothée que Dieu habite une lumière inaccessible. La Bible va dire que nous sommes privés de la gloire de Dieu. J'en ai parlé la semaine dernière. Donc, premier principe, de la transcendance, la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu peux aller chercher par des petites prières. Tu es coupé, tu es privé de toute la gloire, la bonté, le support, l'amour et la présence de Dieu sans Jésus. Deuxième principe, c'est l'immanence. Regardez la bonne nouvelle. Isaïe voit un trône très élevé, mais il voit le, il voit le Seigneur assis sur un trône, mais il voit le bas de son vêtement dans le temple. Dieu, dans sa grâce, oui, tu es privé de sa gloire de Dieu, mais en Jésus, il veut manifester sa gloire dans ta vie. Et ça, je trouve ça beau. Imaginez, là. C'est comme si Dieu dit à Isaïe Je suis trop glorieux, tu ne peux pas me toucher, tu ne peux pas m'atteindre, tu ne peux pas te réconcilier par toi-même avec moi, mais dans ma grâce, tu vois, dans le temple, il y a comme un petit bout de ma gloire. Parce que c'est tout ce que nous pouvons avoir accès dans ce monde pécheur. Ça fait penser quand j'étais à Cuba, la première fois de ma vie que j'ai vu l'océan. Vous savez, moi, j'étais un gars de la ville. Okay? Moi, je vois une piscine, puis ça m'excite. Okay? La première fois que j'étais à Cuba, je sors de l'hôtel, c'était le matin, je dis, je vais aller prier sur le bord de la mer. Je, 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 je n'avais jamais vu l'océan de ma vie. Et quand je suis arrivé, il y avait comme un rocher, puis je, je suis arrivé comme boum C'est comme si un face-à-face -face avec l'océan. Et quand j'ai vu l'océan pour la première fois dans toute son immensité, je vous dis, j'ai eu un choc. C'est comme Wow! Tu regardes là aussi loin que tu vois à droite, à gauche, de l'eau partout. C'est incroyable. Et je n'étais que sur la plage. Je n'avais accès qu'à 1% de l'océan et j'étais émerveillé. Isaïe n'a accès qu'à 1% de la gloire de Dieu, mais il est émerveillé. Imagine un jour où on va voir le 100% de la gloire de Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Et moi, je veux juste te dire, Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Et quand Dieu va le faire, tu ne vas pas dire Amen. Tu vas dire, Wow. wow. Vous savez, c'est quoi le problème avec beaucoup de chrétiens? C'est que tu connais mal Dieu. Tu parles de Dieu, tu mets des étiquettes sur Dieu, mais c'est pour ça que l'apôtre Paul va prier, il va dire à l'église des Feilles, je prie pour vous pour une chose. Qu'il qu ouvre les yeux de votre cœur et qu'il vous donne un esprit de révélation, qui vous le fasse connaître. Parce que quand tu connais véritablement Dieu, il y a des choses qui changent dans ta vie. Et souvent, pour plusieurs personnes, ici, ton problème, c'est ta connaissance de Dieu et non pas ta connaissance intellectuelle, c'est ta véritable connaissance pratique. Jour après jour, tu connais mal Dieu et tu vis mal. Moi, je prie que Dieu te donne une révélation de sa gloire, qu'il te fasse, qu'il se révèle à toi. Et quand tu as une révélation comme Esaïe, c'est comme Oh, il y a des choses qui changent parce que tu réalises la grandeur de Dieu puis tu veux vivre pour lui. Amen. Vous êtes toujours là? Maintenant, où et comment Dieu manifeste sa gloire? Dieu est tellement grand. Il y a un psaume qui dit Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus du ciel. C'est ce qu'on vient de voir À la transcendance. Esaïe dit, il est sur un trône très élevé. Mais regardez. « Qui est semblable à notre Dieu? Il est assis très haut. Mais il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il élève le pauvre. » Ce matin, peut-être que tu es dedans jusqu'au cou. OK, le mot « fumier », on s'entend que c'est un beau mot pour dire d'autres choses. Il y a du monde, là, je sais que tu es à l'église, on ne dit pas ces mots-là. Là. Mais le mot qui commence par « m » et qui a cinq lettres dedans. Il y a du monde, là. Ici, tu es devant moi, là. Tu es dedans jusqu'au cou. La bonne nouvelle, le Dieu glorieux ne te laisse pas là. Les religions disent Dieu est trop glorieux. Te... Non, non, Dieu, dans sa gloire, veut manifester sa gloire dans ta vie et veut te sortir de là. C'est ce qu'il est en train de dire à Isaïe. Regardez. Dieu manifeste sa gloire dans les cieux. Et là, il y a une vision du ciel. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous donne, dans la Bible, des visions de ce qui se passe au ciel? Dieu nous donne des visions de ce qui se passe au ciel pour nous montrer comment ça devrait marcher sur la terre. Dieu nous montre, voici comment ça se passe au ciel, maintenant faites pareil sur la terre. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est comme ça qu'on doit prier, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est-à-dire, comme que ça marche au ciel, ça devrait marcher sur la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que vous êtes essais avec Christ dans les lieux célestes. Pourquoi? Il nous donne une vision de ce qui se passe au ciel pour que ça change ton identité et ta manière de marcher sur la terre. Maintenant, il y a une vision avec des êtres angéliques. C'est la seule fois dans la Bible où on voit ces séraphimes, ces séraphins. C'est des bébés bizarres avec six ailes. Puis... Maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Parce que quand Dieu donne à Isaïe et à nous les croyants maintenant une révélation de ce qui se passe dans le ciel, il y a des principes. Six principes très, très rapides. Premièrement, séraphim veut dire des brûlants. Pourquoi est-ce qu'ils sont brûlants? La Bible nous dit que Dieu est un feu. Quand plus que tu es proche de Dieu, plus que tu devrais être en feu. La question ce matin, est-ce que tu es tiède pour le Seigneur Tu veux voir la gloire de Dieu Ton problème, ce n'est pas la gloire de Dieu, ton problème, c'est que tu es tiède pour le Seigneur. La seule manière de devenir bouillant pour le Seigneur, c'est de te rapprocher du feu, right Excusez le right là, c'est C'est de te rapprocher de Dieu. La Bible dit que souvent on devient fait, on devient tiède. La Bible dit Paul va dire à Timothée, "Ranime la flamme du don qui est en toi." Un des premiers principes, si tu vas apprendre des séraphimes, tu as besoin de prendre soin du feu de Jésus dans ton cœur. Hey, moi j'ai appris quelque chose. Nous, à la maison, là, on a un foyer, puis depuis que j'ai ma maison, j'ai appris quelque chose. Un foyer, c'est le fun, mais c'est de l'ouvrage. OK, toute ma famille se. Oh, papa, fais un feu! OK, c'est bien le fun de faire un feu, mais faire un feu, ça prend du temps parce qu'il faut que tu l'entretiennes, ton feu. Faire un feu, tu ne peux pas juste faire un feu comme ça, il faut que tu l'entretiennes, il faut que tu souffres sur les braises, il faut que souvent de fois que tu redispositionnes les bûches, je vous le dis c'est scientifique, il y a beaucoup d'ouvrages pour entretenir un feu. Maintenant, le problème ici, il y a des gens, là, tu dis j'ai perdu mon feu. Oui, mais c'est justement, tu dois mettre de l'effort pour entretenir le feu de Dieu dans ta vie. Parce que par nature, ça va s'éteindre. Hey, je te dis quoi là, le matin, là, tu peux venir à l'église, tu peux être en feu, là, à une heure cet après-midi, ça, ça va être éteint. Il faut que tu mettes une bûche, mon ami. Il faut que tu nourrisses. Il faut que tu rouvres ta Bible. Il faut que tu pries. Il faut que tu t'exhortes. Il faut que tu dises non. Il faut que tu... Entretiens le feu dans ta vie. Deux ils ont deux ailes. Puis ils se cachent la face. Parce qu'ils réalisent que le Seigneur est trop glorieux pour être contemplé. Si tu veux une, la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, tu as besoin de révérence. Deux ailes qui cachent leur face. Deux ailes... OK, pour qui? C'est comme, oh, ils sont révérents. Imagine, les êtres angéliques rentrent dans la présence de Dieu avec révérence et nous autres, on rentre dans la présence de Dieu, tu croches. On n'aime pas, cette poun-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une révérence. Regardez, ils ont deux ailes qui se couchent le visage, deux ailes qui cachent leur corps, puis deux ailes pour voler. Pourquoi? Parce que, vous voyez, les êtres angéliques, dans, dans ce texte-là, ont des ailes. Pourquoi? Il y a du mouvement. Ça progresse, ça avance. Mon ami, est-ce que ta vie spirituelle, elle progresse et elle avance? Les gens t'as arrêté d'avancer. Tu as besoin d'apprendre les séraphines. Et regardez ce qu'ils disent. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ils mettent l'accent non pas sur ce que Dieu fait, mais sur ce que Dieu est. Il y a du monde le dimanche matin, ta louange est affectée parce que tu as, as eu une mauvaise semaine. Oui, peut-être que ta semaine a été mauvaise, mais Dieu n'a pas changé il est toujours digne de louange. Et saint, 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 je me répète encore une fois. Nous, les croyants, on le les chrétiens, on le voit souvent comme étant la pureté. C'est-à-dire, Dieu est pur. Le sens de saint, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose, c'est de dire que Dieu est à part. Hein, c'est comme de dire, peut-être que je suis excité par le Canadien, mais je suis encore plus excité par Jésus. Hein, je retiens mon souffle en troisième période, mais je retiens encore plus mon souffle devant ce que Jésus va faire dans ma vie, et dans mes proches. C'est quoi? C'est ça la sainteté, c'est Dieu dans une catégorie à part. Dieu est comme même pas une coche à part, c'est comme 10 millions de coches en haut de tout ce que notre monde peut offrir. On a à apprendre les séraphimes, on a à apprendre, regardez, leur intensité. La Bible dit que les séraphimes sont là, et ils disent Saint, 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 le Seigneur. Ah, il est saint, oui, il est saint. Est-ce que c'est ça que la Bible dit? La Bible dit qu'ils criaient Saint, Saint, Saint le Seigneur! Il y a une intensité. Ben, les gens disent « Oui, mais on chante souvent les mêmes tounes. <laughs> » et hey, la toune n'a pas l'air élaborée dans les 6, là. Et la Bible nous dit plus que ça dans l'Apocalypse. Les êtres angéliques puis le peuple de Dieu sont là et reprennent ce chant-là, « Saint, Saint, Saint le Seigneur » et l'Apocalypse rajoute la chose suivante, « et ils le chantent jour et nuit. <laughs> » Hey, tu trouves ça long parce que le conducteur de chien est tout, tu penses que c'est fini, là, as hâte d'aller manger, puis là, tu t'accoules pas à le conducteur de chant, tu vois, comme... Ah, pas encore! <laughs> Jour et nuit! Est-ce qu'on peut comprendre que si on veut voir la gloire de Dieu, à un moment donné, il y a une portion de révérence, d'humilité, d'intensité, de passion qu'on doit exercer devant Dieu? Est-ce que vous êtes là? Je continue. Dieu manifeste troisièmement sa gloire sur la terre. OK, le problème, je fais rapidement sur ce point-là. Il dit « La terre est remplie de sa gloire. » Savez-vous c'est quoi le problème? Le problème, on regarde, on dit « Où est la gloire de Dieu? » Ce n'est pas un problème d'évidence. C'est évident que Jésus règne. C'est un problème de conscience. C'est qu'on n'est pas conscient. Vous savez, Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais pourquoi est-ce que tout à coup, dans un moment de prière, on est comme conscient, on parle de la présence de Dieu. Est-ce que tout à coup, Jésus est arrivé est-ce que vraiment, là, dans la louange au troisième champ, Jésus dit Ah, oh, ok, là, là c'est digne de moi, là, Jésus arrive. Non, c'est comme quand tu marches ou tu travailles, puis il y a quelqu'un à côté de toi, puis là, Ah, oh, t'es là. oui, la personne est là, tu juste pas conscient. Jésus, son esprit est présent, on n'est juste pas conscient. Et quand on n'est pas conscient, évidemment, comment est-ce qu'il peut agir en liberté? Est-ce que vous êtes là? Ça fait penser à un moment donné, ce jeune qui va voir son pasteur et qui dit Pasteur « Moi, là, je veux vivre pour la gloire de Dieu. Je veux la gloire de Dieu. » Le pasteur voit que c'est juste une prière vide. Puis il dit, « OK, viens avec moi. » C'est une histoire en passant, OK? Il l'amène dans une rivière. Puis il dit, « on va aller dans la rivière. » Puis là, le jeune est tout excité. Il dit, « Ah, un deuxième baptême. » Là, le pasteur le prend puis il le met dans l'eau pendant 30 secondes, puis il le sort. Là, il dit, « Qu'est-ce que tu veux? »« La gloire de Dieu! » 40 secondes. Qu'est-ce que tu veux quoi La gloire de Dieu Il remet encore là une minute. Qu'est-ce que tu veux De l'air, de l'air. Mais c'est ça. Quand tu voudras autant la gloire de Dieu que tu veux que tu veux de l'air, tu auras la gloire de Dieu. On n'est pas conscient. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a du monde qui font :« Oh waouh Super histoire hein, !» Si je fais ça, la, la, la DPJ, la police, le gouvernement débarque ici là. La réalité, c'est qu'on est conscient, de ce qu'on veut. Hein, la, la terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie d'air. Savez-vous quoi? Tu réalises la valeur de l'air quand tu commences à en manquer. Puis déjà ici, à un moment donné, tu vas réaliser quelquefois Dieu retient sa gloire parce qu'il veut te faire réaliser. Sa gloire est partout, mais quand tu commences dans ta vie, tu dis il manque de la gloire de Dieu, c'est là que tu réalises sa valeur et c'est là que la gloire revient. Dieu veut manifester sa gloire dans l'Église, parce que dans le texte, ici, on est dans le temple, on est dans la maison de Dieu. Et c'est intéressant parce que la Bible dit... La maison se remplit de fumée. On le dit souvent il n'y a pas de fumée sans feu, Dieu est un feu. Donc, la fumée est comme un, un symbole que Dieu est présent. Maintenant, comment Dieu manifeste sa gloire dans l'Église? Vous savez, une des choses qui est très claire. Dieu il est partout, mais il se manifeste de manière particulière dans la maison de Dieu. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Si tu le vois partout dans la Bible, lorsque les dix commandements ont été donnés au Mont Sinaï, la gloire de Dieu était là. Lorsqu'il y avait le tabernacle, la tente, qu'on se promenait dans le désert, la gloire était là. Lorsqu'on a bâti le temple, la gloire était là. Lorsque l'Église en Jésus a pris place, la gloire est descendue. Et la Bible dit, Éphésiens 1 nous dit, à Jésus la gloire dans l'Église. Le dimanche matin, à chaque fois qu'on se voit dans les petits groupes, ça devrait, être un, ça devrait être un lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. Même d'ailleurs, la Bible dit qu'à un moment donné, Jésus va, va amener son Église à lui, une Église. Glorieuse, pure et sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Hein, les glorieux ne juge pas au centre-belle, les glorieux sont ici ce matin, mes amis. Les glorieux sont à Terrebonne également. La réalité, Dieu manifeste sa gloire dans l'Église. Maintenant, comment Dieu manifeste sa gloire concrètement dans notre Église? Romain nous dit, Romain 15,7 nous dit Accueillez-vous les uns les autres à la gloire de Dieu. Quand tu n'arrives pas à la dernière minute puis quand tu ne dépêches pas de t'en aller, et là, là, je dis avec respect, il y a des gens, là, vous vivez toutes sortes de choses, vous venez d'une autre église, vous êtes nouveau, vous n'êtes pas à OK, mais je parle quand tu es un chrétien mature et tu viens juste pour toi, tu passes à côté de la gloire de Dieu. Mais quand tu viens à l'église pour servir les autres, il y a une portion de gloire de Dieu qui prend place dans ta vie dans l'église. Vous savez, les quatre A, c'est quoi? Les quatre A de la gloire de Dieu, c'est accueille les gens, va au-devant des gens, aime les gens, aide les gens. Puis il y en a un quatrième que je ne me souviens pas, mais je suis sûr qu'il est très bon. Accueille, accepte les gens, oui. Un, accueille les gens, va vers les gens. Deux, accepte-les, accepte que les gens ne sont pas parfaits, accepte que les gens sont différents, accepte que les gens aient des opinions différentes des tiennes. Arrête de vouloir conformer tout le monde. Quand tu fais ça, déjà là, il y a une portion de la gloire de Dieu qui prend en place. Aime les gens, aide les gens. Donc, simplement, là, la zone café, ici, et Afterburn, peut être un endroit où Dieu manifeste sa gloire. Deuxièmement, par la louange, dans le même passage, l'apôtre Paul va dire à l'église de, de Rome chantez à la gloire de Dieu. Dis, Pasteur Gaétan, c'est ça qu'on fait. Non, non, on chante tout le temps, mais est-ce qu'on chante à la gloire de Dieu tout le temps Vous savez, j'ai un message sur la louange qui va venir dans cette série-là. Mais la seule chose que je vais dire, c'est un peu comme quand on était petit, on jouait à la balle au mur. Ou si vous êtes plus vieux, au racquetball, au squash, au tennis. Vous, vous savez, vous frappez la balle et la balle revient. Vous comprenez là quand tu envoies une balle sur un mur? Tout le monde a l'image? Okay, C'était comme pas clair. Plus que tu mets d'énergie à envoyer la balle, plus qu'elle va revenir. Plus que tu mets d'énergie, plus que tu donnes gloire à Dieu, plus que Dieu prend plaisir dans ta louange parce qu'il une louange de foi et Dieu manifeste sa gloire parmi nous. Souvent les gens disent Dieu ne manifeste pas sa gloire dans nos vies pendant la louange. Oui, mais pourquoi? Parce que tu ne donnes pas gloire à son nom. Ça va ensemble. Si tu veux récolter dans la gloire, tu dois semer la gloire. Tu ne peux pas semer de l'indifférence et récolter de la, de la gloire de Dieu. Tu ne peux, peux pas semer de la tièdeur et récolter la ferveur, l'action du Saint-Esprit. Donc, si nous voulons voir plus de gloire dans notre Église, on doit s'accueillir, la louange. L'offrande est un moment de gloire. J'ai une personne ici qui est convaincue. Merci, mon ami, je l'ai payé avant la réunion. Je dis Amen quand je vais arriver à ce point-là. Mais le verset le plus connu de la Bible sur les finances, c'est le prophète AG, c'est l'or et l'argent m'appartiennent. Mais ce qu'on oublie, c'est le contexte. Dans le contexte, c'est une époque où le peuple, le peuple de Dieu est négligent, n'est pas généreux, la maison de Dieu est en train de tomber en ruine. Et le verset nous dit 2-9, voici, l'or et l'argent m'appartiennent, mais le verset suivant, on parle de la gloire de cette deuxième maison où Dieu va manifester sa gloire. Quand tu donnes, dans, quand tu es, es fidèle, quand tu es généreux, quand tu donnes pour une cause une clause glorieuse, Dieu manifeste sa gloire dans ta vie et autour de toi. Souvent, on voit ça comme le moment non spirituel de la réunion. C'est très spirituel. Et plus que ça, vous savez, la première chose que les gens, un des premiers symptômes quand quelqu'un va quitter une église, savez-vous c'est quoi? C'est des études. Hein? Ici, on ne vérifie pas les pasteurs, on ne regarde pas les registres. Pas, OK, nous, il y a eu comme une séparation. Mais c'est comme ça a été quelque chose qui est, qui, qui est prouvé. La première chose qui arrive quand quelqu'un va quitter une église, c'est qu'elle arrête de donner. Et quelques mois après, elle va quitter. Et c'est pour ça que c'est lié avec la gloire. Pourquoi Parce que Jésus a dit, là où est ton argent, là est ton cœur. Et à un moment donné, quand tu retiens, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur, il, il y a quelque chose, il y a un péché, tu donnes accès au diable, puis il prend place à un moment donné où la gloire de Dieu est affectée. Donc, il y a des gens ici, juste par ta fidélité, Dieu manifeste sa gloire. Ce que je pense, on amène à ça. Tu sais, je parlais, il y a des gens qui viennent à moi, des jeunes ouvriers, des gens de d'autres églises, puis j'avais une discussion avec quelqu'un qui, euh, qui me disait, « Moi, là, je ne suis pas satisfait de mon église, puis on va arrêter de donner. » Puis je disais, « OK, j'ai beaucoup, de, de, beaucoup de, de, de sympathie, puis si tu n'es pas heureux dans une église, bien, OK, fais-le comme il faut, puis change d'église à la limite, mais tu ne peux pas envoyer un message. » Pourquoi? Parce que les dîmes et les offrandes, OK, ce pas… On ne le fait pas comme manifestation de notre satisfaction d'Église. C'est une manifestation de notre obligation, de notre responsabilité envers l'Église de Jésus. Ce n'est pas un vote, pas ça ne marche pas comme ça. Donc, la réalité, si tu es dans une église que tu aimes, soutiens-la, si tu es dans une église où tu penses que cette église-là ne fait pas l'œuvre de Dieu, change d'église. Puis il y a une réalité c'est pourquoi? Parce qu'au bout de la ligne, c'est la gloire de Dieu qu'on touche. Les motifs sont vraiment importants dans la Bible. La prédication manifeste la gloire de Dieu. Et j'aime, Isaïe a une vision et le temple est secoué, t'es ébranlé. Moi, je pense que quand tu es ébranlé et secoué par la parole de Dieu, c'est que Dieu manifeste sa gloire. Si tu n'es pas secoué par une prédication, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais si tu n'es pas secoué, Dieu ne manifeste pas sa gloire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois dans la Bible où Dieu manifeste sa gloire, il y a quelque chose qui se passe. Et la Bible parle de l'évangile glorieux. Donc, on manifeste sa gloire par la prière. Par notre service, et je fais rapidement, mais la Bible dit Servez avec gloire. Tu t'impliques. Tu es dans le stationnement, il y a de la pluie. Tu contribues à la manifestation de la gloire de Dieu. Moi, je crois dans notre Église, mais je crois que Dieu te bénit. Puis une portion de la gloire de Dieu qu'il réserve pour toi dans ton quotidien. Donc, venons à l'Église avec une anticipation de la gloire de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Pourquoi? Parce que Dieu veut manifester sa gloire dans l'Église. Et j'arrive. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. On l'a vu, Dieu veut manifester sa gloire dans les sous pour nous montrer comment ça marche. Dieu veut manifester sa gloire sur la terre, dans l'Église. Mais on en arrive. Il veut manifester sa gloire dans ta vie. Il veut manifester sa beauté dans ta vie. Il veut manifester sa puissance dans ta vie. Il veut manifester sa sainteté dans ta vie. Il veut manifester sa bonté dans ta vie. Il veut manifester sa justice dans ta vie. Il veut manifester tout ce qu'il est dans ta vie. Est-ce que tu es toujours là? D'ailleurs, même la Bible dit que l'homme, Dieu a couronné l'homme, l'humanité de gloire. Maintenant, on voit le texte d'Isaïe. Je vais relire le verset parce que c'est vraiment le centre de la vision. Au verset 100, qu'il dit Il a une vision du Seigneur. Il dit Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Mais l'un des séraphins voilà vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. Ok, écoute-moi bien. Il y a deux principes si tu veux voir la gloire dans ta vie. Le premier principe, c'est la repentance. Isaïe, plusieurs personnes vous lisez le texte puis vous dites il Me semble que j'ai une vision de la gloire de Dieu. Puis là, oh, je vois le Seigneur dans toute sa gloire. Puis, chanceux. Non. Isaïe connaît trop Dieu, il connaît trop sa réalité. Ici, il a trop une conscience de son péché, trop une conscience de ses limites. Et lorsqu'il voit Dieu, il connaît la parole de Dieu qui dit que nul ne peut voir Dieu et vivre parce que Dieu est trop saint, tu es trop pécheur. Puis le principe fondamental ici, c'est de réaliser ton péché. Et écoute-moi bien. Il y a des gens ici, tu dis, Pasteur guettant, tu parles dans tous les messages, tu as une ligne sur la repentance. Oui, tu es mieux de t'y habituer. Okay? La réalité de la repentance, c'est quoi? Et des gens qui pensent la repentance, c'est que tu viens à Jésus, tu fais une prière, tu dis je me repens de tous mes péchés, dat-ci, dat dat La repentance, c'est un style de vie. Moi, là, depuis ce matin, je me suis à peu près repenti cinq fois. Tu dis, Mais ben voyons donc, Pasteur Guétan. Qu'est-ce qui arrive avec toi? Vous savez c'est quoi la repentance? C'est comme un GPS. Ah, moi, vous savez, j'ai une relation difficile avec mon GPS, la madame, elle ne m'écoute pas. Et... Et souvent, elle me donne un chemin, mais elle est dans le champ. Moi, je connais un chemin plus vite, OK? Puis je tourne, puis... Et là, à un moment donné, qu'est-ce que ton GPS fait? Redirection. Puis là, là tu vois l'affaire qui tourne. Et là, on donne un nouveau trajet. Moi, quand je pars en GPS, là, à peu près, dans un trajet du nord, il y a à peu près huit redirections. La repentance, OK, c'est le changement de mentalité, c'est de laisser Jésus... Te réorienter, te rediriger. Puis à un moment donné, tu marches dans la vie, tu arrives au bureau, il se passe de quoi dans ton cœur? Tu, oh, tu sais que c'est oh, un péché, il y a quelque chose qui. Et là, Jésus te redirige, tu réalises ton besoin de sa grâce, tu demandes pardon, tu continues. Tu... Et tu, jour après jour et instant après instant, la repentance, c'est la conscience de ton péché et de la conscience que tu as besoin continuellement du pardon et de la grâce de Jésus. Donc la repentance, ce n'est pas un événement. La repentance, c'est continuellement. Et regardez ce qui se passe. Le texte nous parle de la grâce de Dieu. En passant, il y a des gens qui. Moi, là, je suis l'enseignement christocentrique. Là, des gens, je l'enseignais ça à nos leaders. On m'a demandé de l'enseigner au collège biblique. Il y a des gens qui disent Ah, c'est nouveau. Ça a toujours été là. Pourquoi? C'est quoi l'enseignement christocentrique? C'est que tout en rapport avec Jésus. dans tous les textes. Tu vas voir le besoin de l'homme et tu vas voir la grâce de Dieu dans tous les textes de la Bible. Et tout ça culmine en Jésus. Là, vous allez dire oh, c'est un peu poussé par les cheveux. Est-ce que tu sais, Jean, L'apôtre Jean, en parlant de ce texte-là, regardez ce qu'il va dire. En parlant d'Ésaïe, il va dire « "Isaïe, c'est la gloire de Jésus qu'il a vue et c'est de Jésus qu'il parlait. » Wow! Ce texte-là nous parle de ce que Jésus veut faire dans ta vie. Et le deuxième principe, c'est la grâce. Ésaïe réalise qu'il est pécheur, réalise qu'il ne peut pas se réconcilier, qu'il ne peut pas se pardonner, qu'il ne peut pas se nettoyer. Et le Séraphim va aller... Dans le temps, il y avait des, des, un hôtel où on offrait des sacrifices pour le pardon des péchés. C'est une image de Jésus qui était pour venir. Il prend avec des pincettes de la braise et il va toucher la bouche d'Isaïe en disant Tu es pardonné. On a une image de la grâce de Dieu. Ici, Isaïe n'a pas dit Je vais aller chercher, moi, le pardon. Puis Isaïe, là, écoutez-moi bien, quand Isaïe a cette vision, il dit Malheur à moi, je suis un homme qui est perdu. Isaïe, là, est comme ça Il s'attend à mourir. Mais Dieu manifeste sa grâce et envoie un séraphin, envoie un ange pour le pardonner, pour lui montrer le pardon ne dépend pas de toi, ça dépend de moi. Et tu sais, c'est quoi la recette de la gloire de Dieu C'est simple ta repentance plus sa grâce égale la gloire de Jésus. Rappelle-toi de ça. Dans chaque domaine de ta vie, quand tu te repens, quand tu réalises ton état, tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie et que tu fais appel à la grâce, à sa faveur imméritée, à chaque fois, Dieu va manifester sa gloire. Il y a des gens ici, tu te prives de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas vivre à la gloire de Dieu. La grâce de Dieu, Monod va nous dire, est au service de la gloire de Dieu. Moi, je veux la grâce de Dieu. Mais pour avoir la grâce de Dieu, tu dois réaliser que tu dois vivre à la gloire de Dieu. Est-ce que tu es toujours là? Et ce qui est intéressant, il dit Ton péché est pardonné. Les gens qui pensent qu'Ésaïe avait un péché caché, non. Vous savez, qu'est-ce que Dieu veut faire? Souvent, la Bible parle de Il pardonne notre péché. En fait, c'est. Le péché en général, mais c'est de découvrir les péchés derrière les péchés. J'ai un message aussi qui s'en met là-dessus. Ici, il y a des gens, là, ton problème, c'est tu sais quoi? Tu dis OK, je suis pécheur, c'est tout. Non. C'est que tu ne laisses pas le Saint-Esprit révéler le péché derrière les péchés. Par exemple, tu te mets en colère. Ben, le problème, il faut que tu ailles plus loin que la colère. La colère, ce n'est pas nécessairement un péché. Ça peut l'être, oui. Ton problème, c'est que tu n'as pas de maîtrise de soi. Et souvent, le problème derrière la maîtrise de soi, tu ne te maîtrises pas. Pourquoi? Puis tu te mets en colère à cause de ton orgueil. Et le véritable problème, c'est pas le péché, c'est que tu as besoin de laisser le Saint-Esprit déterrer tous les péchés. Pourquoi? Parce qu'il veut les pardonner, il veut les expier, il veut les enlever, il veut te libérer. Le problème, n'est pas la pornographie. La pornographie, c'est le bout, c'est tu commences avec la convoitise. La convoitise, pourquoi est-ce que c'est si fort? Souvent, c'est que tu touches à ton identité. Pourquoi ça touche à ton identité? Il y a comme une forme d'idolâtrie là-dedans. Il y a quelque chose que tu mets, le, le, le sexe devient numéro un dans ta vie. Puis c'est comme, puis ultimement, ton problème, c'est un problème de foi, c'est que tu ne réalises pas qui tu es en Jésus. La même chose avec l'argent. Il y a des gens ici, ta sécurité est dans l'argent, tu t'achètes des bébels. Ton problème, ce n'est pas juste le fait que tu dépenses ton argent. Ton problème, c'est pas tant de l'argent que tu mets que la confiance que tu mets dans les bébels. Déterrer les péchés. J'ai un message qui s'en vient là-dessus. Donc, quand l'ange va dire ton péché est c'est ce n'est pas juste ton péché. Là. Puis, s'il si y a des gens, tu veux voir la gloire de Dieu, tu as besoin de permettre au Seigneur de venir déterrer les péchés parce qu'il ne veut pas seulement pardonner ton péché le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Dites un autre amen pour m'encourager, s'il vous plaît. Et pour nous, aujourd'hui, on réalise que le nom de Jésus est tellement simple. Moi, je dis le nom de Jésus combien de fois par message, mais je ne suis tellement pas digne juste de prononcer son nom. Ce nom au-dessus de tout nom. Est-ce qu'on est. Et -ce qu est... c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, moi, là, j'aimais ma gloire, j'aimais ma fierté dans rien d'autre que dans l'œuvre de Jésus. Vous savez, moi, là, j'étais un homme orgueilleux. Okay? Comme beaucoup d'hommes, je un homme orgueilleux, il faut. Hein, quand je parle d'éterrer les péchés, puis il faut toujours que... Eh, hey, pas par mes forces, c'est pas par moi-même. Mais savez-vous quoi? Moi, là, je me vante de l'œuvre de Jésus. Je mets ma fierté dans l'œuvre de Jésus. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun mérite là-dedans. Mais je suis fier de Jésus. Je suis fier de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile. Pourquoi? Je, ma gloire n'est pas dans les choses de ce monde, elle est en Jésus. Souvent, le Saint-Esprit doit me le rappeler. Un hein, GPS. Et je termine avec ceci. Dieu non seulement veut manifester sa gloire dans les cieux, sur la terre, dans l'Église, dans ta vie, mais veut se servir de toi pour manifester sa gloire dans la vie des autres. Et c'est pourquoi, Isaïe, Dieu va dire, « OK, là, maintenant, Isaïe a la vision de la gloire, et nous, on serait portés à dire, OK, c'est fini. Non. Isaïe a une vision de la gloire, et là, Dieu, maintenant, Dieu lance un appel. Écoute-moi bien. Dans cette série sur la gloire de Dieu, Dieu te lance un appel. Tu ne peux pas juste entendre parler de la gloire de Dieu, tu dois réagir, tu dois répondre. Et Isaïe entend l'appel, Isaïe va dire, Dieu dit Qui enverrai-je maintenant Alors que je te montre ma gloire, alors que tu vis ma gloire, je veux que d'autres vivent la gloire. Maintenant, c'est des hommes. Je veux envoyer quelqu'un. Qui je vais envoyer Isaïe dit Envoie-moi. Vous savez, ça me touche beaucoup parce que je m'associe tellement à Isaïe. Je regarde Isaïe et Isaïe dit Puis le prophète Isaïe, c'est un top prophète, là. Mais c'est un homme qui dit Je suis un homme un peu, je suis un homme indigne. Et, euh, vous savez, on, on va former. Pasteur Phil et moi, on s'est assis puis on s'est dit, on doit former des jeunes à l'église, on doit aller plus loin. On a lancé une formation Leader 2.0, puis on a plein de monde, là, puis on en a trop même. On... Et l'idée, c'est qu'on veut vraiment s'investir sérieusement, puis apprendre à des jeunes tout ce que nous, on a appris. Puis surtout, on veut leur enseigner nos, nos, nos erreurs. Vous savez, tu peux, t as, t as, la manière facile d'apprendre, c'est d'apprendre des erreurs des autres. La manière difficile, c'est d'apprendre de tes propres erreurs. La manière pathétique, c'est d'apprendre jamais de tes erreurs ni de celles des autres. Ici, on a un Isaïe qui dit Envoie-moi, puis moi je crois, là, il y a plein de monde ici, là. Dieu veut t'envoyer. Puis il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché la semaine passée. Hey, il y a un jeune homme qui vient me voir à la fin de la réunion. Il me dit, Pasteur, il dit Moi j'arrive de France. J'arrive de France, puis en France, on écoute tes messages. Puis ça me choque toujours parce que quand je dis ça, ça me choque pas, pas dans le sens européen du terme. OK, entre nous, là, okay, il n'y a aucune gloire dans ce que je partage. Moi, je ne considère pas que je l'ai l'affaire. Moi, quand je prêche, là, je suis incapable de m'écouter plus que trois minutes parce que je me trouve mauvais. Vous écoutez mes messages, puis là, moi, j'écoute mes messages, puis je bafouille. J'ai un, un timbre de voix, j'ai une voix éteinte, c'est pas clair. Euh, puis là, j'ai notre directeur technique qui va préparer les messages pour les mettre sur Internet. Puis là, là j'entends mon, mon message au loin, puis je ferme ma porte parce que ça me rend mal à l'aise. OK? Honnêtement, là, je ne vous dis pas parce que ce n'est pas une fausse modestie, c'est comme... Et là, j'entends les témoignages. Il y a du monde, ce jeune homme-là qui il va sur YouTube, qui fait des montages de mes, de mes messages, qui fait ça. Il dit, bon, mais toi, tu prêches longtemps, faut que j'essaie de faire 105 minutes pour mes amis qui ne connaissent pas le Seigneur. OK. Donc, il y a comme des montages, les best of de Pasteur Gaétan d'un certain message. En disant pendant 45 minutes, le laisse faire, mais il y a un bon 5 minutes, OK? j'ai quelqu'un, j'ai quelqu'un, encore une fois, en France qui me dit... Moi, là, je suis, euh, suis quelqu'un qui euh, traduit pour les malentendants. Puis, est-ce que vous me donnez la permission de prendre vos messages puis de mettre une vignette où je traduis vos messages pour les malentendants? Pourquoi quelqu'un. Je vous le dis, moi, je suis comme. J'ai quelqu'un au Brésil qui traduit, il a traduit des messages en espagnol. Les messages que j'avais faits les traduit en espagnol. Euh, J'ai quelqu'un qui voyageait en Suisse, puis qui arrive en Suisse, quelqu'un dit hey, est-ce que vous connaissez l'église de Portail? Moi, là, quand je viens ici à chaque dimanche matin, c'est pour vous servir vous. Ah, je n'ai pas la, la conscience. Mes messages sont sur top chrétien. Les gens disent « Oh, accent difficile à comprendre. Euh, je... » Prépare-toi au ciel, c'est la langue que tu vas entendre. Okay? Là, je suis en train de me perdre. Là, j'ai un homme qui arrive de France la semaine passée puis qui me dit euh, « J'ai une de mes amies qui a donné sa vie à Jésus en écoutant vos messages. Puis elle, elle vous a écrit une lettre. Puis je vais vous en lire un petit bout pour vous encourager, puis vous faire réaliser que Dieu se sert des hommes incompétents, des églises incompétentes. Euh, évidemment, là, vous ne voyez pas, je vais garder, je vais préserver l'anonymat. Elle écrit Bon matin, Pasteur Guétan, ici la France, plus précisément, plus précisément la ville de Montpellier, située au sud avec son soleil écrasant. <laughs> voilà. Je vous ai écrit principalement pour vous remercier. J'ai rencontré Jésus en décembre dernier. Ma vie a totalement changé depuis. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Je consacre désormais mes jours à le servir, l'aimer, le suivre. Ce n'est pas forcément évident, mais à la différence d'une vie sans Jésus, ce que je vis, c'est que je vis les épreuves et les difficultés sous une douce mélodie. Elle dit Pourquoi vous dire merci à vous et à l'Église de Portail Tout simplement parce que vos vidéos m'ont permis de bien entamer ma naissance chrétienne. Tout simplement parce que j'avais ce sentiment que chez vous, eh c'était chez moi. J'ai 23 ans ce jour, je suis heureuse parce qu'il me reste encore beaucoup de temps à assurer ma mission sur Terre au nom de Jésus, et j'espère tous les jours que de nouveaux frères et sœurs viennent nous rejoindre. Sachez donc que de loin, je vous soutiens, vous, l'Église de Portail, et je prie fortement pour que vous prospériez grandement et que vous fassiez le plus grand bonheur de Dieu. J'ai l'espoir de pouvoir vous visiter un jour. Si, il me le permettra. En attendant, j'ai une très belle vie à vivre qui m'attend. J'ai hâte de pouvoir confirmer celle-ci d'ici quelques années. Soyez tous bénis. Fait, wow, gloire à Dieu pour ça. Dieu utilise des hommes incompétents. Et je vous le dis encore une fois, ne le voyez pas, il n'y a aucune gloire là-dedans. Moi, quand j'ai fait mes études, là, je voyais les gars autour de moi. Les gars, je n'étais pas le plus intelligent, je n'étais pas le plus éloquent, je n'étais pas le plus compétent, mais je ne le suis pas encore. Mais il y a une chose que j'ai dit, j'ai dit, Seigneur, me voici. Puis je vois des portions de gloire dans ma vie que je ne mérite pas, simplement parce que j'ai voulu répondre. Puis je veux juste t'encourager, tu veux voir la gloire dans ta vie, Dieu veut se servir de toi pour les autres. Simplement dire comme Isaïe, vous savez, Isaïe se sent impur, s'indigne. Se Dieu l'appelle, puis Isaïe va dire, je suis là, envoie-moi. Vous savez, Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Ce matin, tu te sens vide, peut-être tu te sens incompétent. C'est excellent, parce que dans le texte, la clé, c'est que trois fois on mentionne que Dieu va remplir les choses. Son vêtement remplit le temple, la terre est remplie de sa gloire, la maison se remplit de fumée. Il y a des gens ici ce matin, si tu veux voir la gloire de Jésus, ce que tu as besoin de dire, ce n'est pas, je suis compétent. Je suis arrivé. Je suis talentueux. Je suis doué. Je suis fort. Non. La seule chose que le Seigneur va entendre de ta part ce matin, c'est Je suis là. Je suis là. Avec toutes mes failles, tous mes péchés. Tu te sens vide, mais c'est bien, parce que ça fait de la place pour que Dieu te remplisse de sa gloire. Ce matin, j'aimerais, et à Terrebonne, et à Laval, on va terminer dans quelques instants. Et quand on va chanter ce dernier chant, qu'on puisse vraiment donner gloire à Dieu, mais qu'on puisse également juste s'approcher et dire, Seigneur, me voici, me voilà, je suis là. Je suis là. C'est une, une chose que tu peux offrir à Jésus ce matin, c'est de dire, je suis là. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta gloire. Des mots qu'on emploie souvent de fois, mais qui sont tellement puissants. Seigneur, on ne mérite rien de ça, et comme des Isaïes ce matin, alors qu'on contemple ta gloire, alors qu'on est conscient que la gloire représente tout ce que tu es et tout ce que tu veux communiquer, fais-le parmi nous ce matin. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, moi qui, quelquefois, je me sens comme Paul, comme le plus grand des pécheurs, un homme aux lèvres impures. Seigneur, je te loue que dans ta grâce, tu, tu daignes encore te servir de moi. Et Seigneur, alors que jour après jour, je réalise mon besoin de repentance, je réalise que c'est ta grâce qui détermine tout dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi quand je l'oublie. Et merci pour ton pardon lorsque je m'en rappelle et je viens à toi. Pour chacun d'entre nous maintenant, Seigneur, donne-nous de vivre ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.